gens internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le premier épisode de notre série sur Netscraft. Enfin, pas vraiment notre premier épisode, plutôt une nouvelle série que je commence, que je débute. Mais ça va être la suite de l'ancien Let's Play, puisque j'aime bien avoir mes vidéos organisées et tout. Donc je sais pas quelle vidéo ça va être, mais voilà, enfin un Let's Play sur un serveur faction qui n'est pas un HCF. Là je prends tout le charbon les amis, parce que si vous avez pas vu ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment tout savoir sur le serveur, même si j'ai oublié quelques petits trucs. Donc j'avais oublié de mettre l'IP dans la description, j'avais oublié aussi de vous dire à quelle heure le serveur ouvrait, etc. Enfin bon, j'ai vraiment fait des bêtises, mais c'est pas grave. En grande partie, vous avez pu comprendre. Ça se peut que je lag en ce moment, mes amis, parce que je suis en train de faire le rendu de l'épisode d'HC Squad que vous allez voir demain, normalement. Non, vous avez vu hier, en fait. Hier pour vous, mais demain pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de faire un let's play, parce que bon, beaucoup d'entre vous voulaient quand même que je fasse un let's play, etc. Oh, il y a un petit anti-X-ray, parce qu'on a pu voir que ça avait mis de la redstone, mais il n'y en a pas. So, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer un let's play. Je sais pas combien d'épisodes. Bon, pour le moment, tu sais, j'ai l'idée de faire peut-être 2-3 épisodes, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, arrêtez. Si ça vous plaît, je vais continuer. Donc, c'est vraiment vous de smash les pouces bleus, man. Mais genre, si vous aimez la série, vous voulez en voir plus, faites juste partager avec vos amis, mettez des pouces bleus. Puis si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus, puis des gens qui sont intéressés par la série, ben je vais la continuer. Donc le but de la série, les amis, si vous saviez pas, c'est que là, il y a pas beaucoup de joueurs connectés. Normalement, il y a 150-200 coups. C'est quand même bien. On fait une belle ouverture. Il y a un Kuno Maskill qui a fait une vidéo aussi. Donc tu sais, on était deux YouTubers. Aïe, je suis fatigué. On était deux YouTubers, fait que ça l'a quand même apporté pas mal de joueurs. Je suis quand même assez content pour mon ami Skinness. Skinness, qu'est-ce que je raconte depuis tantôt? C'est Skinness, c'est un autre ami à moi. Oh! Un autre ami à moi. Donc ouais, ce serveur-là, en fait, il est super simple à apprendre à jouer. Enfin, vous allez me dire, il est complexe, mais simple à... Tu sais, c'est difficile. C'est complexe, mais simple. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça. Mais en gros, vous allez comprendre. En gros, c'est le type UH Run, si vous avez pas compris, d'ailleurs. Depuis tantôt, je récupère... Non, j'ai juste récupéré deux fers. J'allais dire, Chris, il me semble, depuis tantôt, je récupère du fer, puis je le récupère pas dans mon inventaire, il est à barnouche. Fait que... Ah, il y a encore du charbon là, what the fuck. Donc pour l'instant, je vais miner. Donc ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui se rappellent peut-être de la version... la version 1, j'en ai parlé dans ma vidéo présentation, mais en gros, ouais, la version 1, Skinex avait fait un petit serveur, il y avait moi, il y avait Adrien, et puis d'autres gens qui étaient dessus. Et puis ça avait pas trop bien marché. Je pense que c'est là que j'avais rencontré Erslo. Pour ceux qui connaissent Erslo. Oh, du diamant. Oh non, c'était juste un truc. Donc ouais, pour ceux qui connaissent Erslo. Puis en fait, le serveur, ben, il y a eu des problèmes. Fait que tu sais, lui, il y avait par manque de motivation, des problèmes familiaux aussi, je crois qu'il y avait eu à l'époque. Ça se peut que je me trompe, il vous le dira dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense que c'était ça, à la base, qui l'avait poussé à arrêter Netscraft. Et puis, voilà, enfin, il a décidé aujourd'hui de rouvrir le truc. Fait que je trouve... Je déteste quand je lag comme ça, c'est affreux pour faire des vidéos, mais j'ai pas le choix, les amis, pour vous proposer des vidéos de qualité et des vidéos sur YouTube. Ok, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va attendre que Skinex soit là, qu'un de mes membres de ma faction soit là, parce que je crois que Gratiel, Darkman et puis Xylos, ils ont commencé à jouer des fous. Donc, je sais qu'eux, ils ont joué vraiment beaucoup. On peut peut-être voir le classement. En ce moment, il y a qui est dans le top qu'on connaît peut-être. Sozen, ça me dit quelque chose. Une Pastèque, ça me dit quelque chose. Il est déjà à 104 points. Donc, une petite avance ici et que les deux premiers sont en avance. Voilà. On peut bon cliquer pour voir le truc complet. Si on fait FF, c'est le plugin faction un peu spécial. So, notre faction s'appelle No Kill, parce que tiens, au début, tiens, on voulait pas se faire tuer, voyons, on était des gentils garçons. On s'est appelé comme ça. On va garder le... Oh shit, j'ai trouvé du diamant. Yes sir, my poulet, yes sir, boy. Yes sir, motherfuckers. On a trouvé du diamant, mais bien entendu, c'est un diamondless, les amis, les serveurs, donc ça nous donne du fer. Ça, je pense que vous le saviez de toute façon. Je t'ai déjà expliqué. Ça, c'est cool. Donc, là, on aura un peu de karma. Puis, on pourra peut-être commencer à avoir un... On pourra faire notre premier enchantement, je crois. La redstone, ça donne rien au passage. C'est pour ça que si vous voyez que je récupère pas la redstone, c'est normal. Ça donne rien. Donc, on va faire karma shop. On est rendu à combien? On est rendu à 150. Puis, nous, on va un enchantement custom à 200. Ça, il nous faudra encore environ 50. Ça, je trouve 50, puis je vous retrouve pour... c'est la base de ce qu'on était au début, si vous voulez voir. On avait un peu de combo. Comme je dis, eux, ils m'ont pas TP dans la nouvelle base. Ça, je trouve là du fer, etc. Puis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé tout ça. À tout de suite.
Donc ouais, j'ai peut-être pas dit, mais ça l'encourage vraiment le fait de miner ce serveur-là, en fait, parce que, comme vous voyez, je prends tout le charbon et tout. Donc là, on devrait être vraiment proche. Je vais demander à Skina s'il pouvait me donner des informations. Donc on est à 164. Qu'est-ce qu'on peut acheter en ça? On peut acheter une pomme cheat, donc utile dans les longs combats sur 1500. On peut acheter des diamants. On a déjà deux diamants. De toute façon, il nous manque 10, 10 cents. Voilà. Les custom enchantes, une clé à spawner, un œuf de creeper. Ok, voilà, on a seulement 30 nets. Soit, attends, on va faire slash pompe. On va essayer de l'ouvrir. Je pense qu'on a des caisses du jour ou une caisse VIP chaque jour, genre truc comme ça. On va aller voir. On va essayer de l'ouvrir. Peut-être qu'on va être chanceux aujourd'hui. Donc, aussi, on a des PV. Donc, je crois que c'est là. What? La première fois, j'ai utilisé. Ah oui, voilà. Wow, il y a eu un petit bug, mes amis de l'internet. Donc, Alex le BG, il joue aussi sur le serveur. Donc, c'est quoi ça? Une pastèque, ok, ça c'est les points. Genre en temps réel, ça c'est chill. Ils sont où les boîtes magiques, est-ce tabarnak? Oh là. Il y avait les boîtes magiques, je savais. J'allais paniquer. Pardonnez-moi mes très chers amis. Donc, allez, box aléatoire. On a une daily. So, qu'est-ce qui nous serait vraiment utile en ce moment? Ce serait soit. On dirait lingot de fer. Lingot de fer. Oh, peut-être qu'on pourrait vendre nos chats. Et on a eu 8 obsidiennes. Oh, c'est pas pire. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un alambic, 13, 32 pierres, 32 fer, 32 blocs d'obsidienne, bâton de blaze, épée en diamant, pantalon en diamant, 3 diamants, œuf de creeper, pomme de notch. Pomme œuf de notch ou pomme de diamant serait. Ouh, on a eu 30 perles. On a un stack de 30 perles. Est-ce que si on fait ça. Ouh. Ouh là 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 là, ça peut être bon dans un combat, ça, mes amis d'internet. On va garder ça, bien entendu, mes amis d'internet. Vous l'aurez compris. Puis ici, c'est quoi ça? C'est pour les VIP. Vous avez des trucs de plus en plus rares à chaque fois. Ok, parfait. Donc, ça dit quoi? Store. On peut les acheter au store. Slash store. Ok, ça doit être sur la boutique, ça. C'est ça. Ça nous a mis genre ce lien-là. Donc, ça doit être ça. Warp Farm. Karma Shop. Oh, shoot. What? I'm lagging so much, folks. I don't know why. I'm lagging so much. Ah oh, oui, c'est vrai, je suis rendu. On est au Karma Shop. Faut descendre ici, non? What? Non! Reload rapide. Fils de pute. Réponds-moi. Bon, je vous reprends, les amis, dès que je lag plus. Ok, les gars. En fait, farmer les mobs ici, c'est une bonne aussi. Ça donne un avantage, ça donne des niveaux. Mais ça donne aussi des karmas. Mais ça me fait laguer de ouf parce qu'il y a plein de mobs. Mais en gros, regardez, ça nous donne des karmas aussi. C'est pas une mauvaise idée de venir farmer dans la place ici en fait. C'est plutôt une bonne idée en fait. Hein. J'avais pas pensé là, mais on va faire ça jusqu'à temps que j'ai assez pour faire un enchantement ou deux. Peut-être un enchantement parce que c'est quand même long à 28 centimes le coup. So, à tout de suite. What's up? Bon, on se reprend. Donc, j'ai réussi à avoir l'accès à la base en fait. J'ai assumé que Darkman voulait bien que je sois là. Enfin, il m'a parlé toute la journée du serveur pendant que moi j'étais sur HTTP. Donc, je suis sûr qu'il voulait me TP. Juste que j'ai demandé à Skinos de me TP parce que bon, vu qu'avec Darkman puis moi on a pas les mêmes. Fusion horaire, ça va être un peu compliqué de se. Juste que tu rec. Ah! Ah, t'inquiète. Non, en fait, parce que je lui ai demandé s'il y avait des informations sur le serveur, tu sais, qui va pouvoir nous donner en avance, tu sais. Et il m'a dit que les cracks dans 3-4 jours seraient ouverts. Et aussi qui ont rajouté un HDV que je vais vous montrer à l'instant en fait, que je trouve assez stylé. Donc un HDV, donc on peut voir les items qu'on a mis en vente. Donc si t'as mis tes items en vente, tu pourras les voir ici. Tu pourras aussi reprendre tes items, donc les items que t'as mis en vente, tu pourras les reprendre. La page précédente, page suivante, page précédente, bon vous avez compris le principe, c'est pas la fin du monde. Rafraîchir la page, ça rafraîchit... automatiquement les items, donc si un item est vendu, vous cliquez ici puis ça va être mis comme ça. Ensuite, ici on peut comment pendant un item, bon tu fais le HDV sell et on va faire, en fait c'est quoi? On va vendre les 30 trucs comme ça, tu sais pourquoi? Parce que c'est quand même assez rare, sell pour 1000$, je pense que c'est bon. Voilà, j'ai rajouté truc dans... l'HDV acheter, merci. Ah oui, celui-ci vous spammez, regardez, ça vous donne des dégâts. ça, je trouve ça rigolo. Donc là, si on fait HDV, on peut voir que j'ai mis un item en vente, j'ai mis des perles, puis ils sont là pour une journée. Oh, vraiment bien fait l'HDV, no fake. Je kiffe sa mère, la grande pute. Je rigole, bien sûr, c'était une blague.
Donc, on va essayer de le tuer. Non, en fait, on est bientôt au nombre de karma qu'on avait besoin, comme je vous avais expliqué avant. On est à presque 200. Bon, il en manque plus beaucoup. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu la base, qu'est-ce qu'ils ont. Donc, ça, c'est un kit VIP, que ça doit être Gratiel qui a ça, vu qu'il a construit le spawn. Au Karma Shop, il faut montrer le grade free. Oh, il y a un grade free maintenant. Karma Shop. Sérieux? Oh, il l'a acheté. What? Merci. Menu, il veut dire. Menu, c'est où? What? Boutique VIP. Aller au shop. Under chest. Warp. Quoi? Boutique VIP. Comment on l'obtient? What? Je comprends pas. Karma. Attends. On va essayer de comprendre. Donc, grade farmer, vous disposez déjà d'un grade. Ok, le grade est gratuit pour tout le monde. Donc, attends. Donc, le grade, il coûte combien? Juste savoir combien il coûte de karma, tu sais, comme ça, tu sais, je peux au moins savoir, peut-être que ça peut être cool. Ah, oh, il nous donne des clés aussi, j'ai vu. On aura aussi des tickets, on va aller les ouvrir après, comme d'habitude. Donc, le grade farmer, c'est un grade, il va nous dire combien il coûte, là, nous, on sait pas vraiment. Pendant ce temps-là, on va continuer à farmer le temps qu'il nous réponde. 7k de karma. Okidoki. Ouais, c'est quand même beaucoup, mais c'est un farm to win, les gars. Vous voulez un grade gratuit, vous avez juste à farmer. Donc, en 2-3 jours, c'est farm normal. Ouais. Donc là, lui, il a acheté notre truc. Fait qu'on est rendu à 1000 de nets. On va peut-être aller voir au shop qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter pour améliorer la base. Donc, c'est vraiment le début de la saison, les amis. Pas des trucs passionnants, ce sera pas du PVP, du pillage ou whatever. Inquiétez-vous pas, ça va venir plus tard avec Gratiel puis Darkman. Donc, ouais, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'ils ont, en fait. Ils ont des perles, ils ont pas mal de trucs. En fait, on va foutre pas mal tout ça là. On va juste garder le pain pour manger. Puis on va... tu sais quoi? On va garder les steaks, en fait. C'est mieux les steaks. On va mettre notre charbon, notre obsidienne, nos outils. Voilà. Donc, ils ont un peu de stuff. Ils ont des patates, des pommes pour faire des pommes cheat. Mais ils sont incraftables, je crois. Deux TNT. Donc, si vous saviez pas, OK, à l'ancienne version, c'était nous qui l'avions inventé, le truc de TNT, en fait. Quand vous posez une TNT normale, elle s'allume pas, OK? Mais si vous posez une TNT en sneak... elle va s'allumer. Boum. Ça, c'est moi qui... c'est moi et Exilos qui l'avait inventé. Et Skinoz l'avait rajouté dans le serveur juste pour nous. So, juste pour, dans le fond, après notre idée. So, on y avait dit, il avait déjà rajouté, genre, quelques minutes après. Ça, je m'en souviens, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça, si vous avez des idées, les gars, inquiétez-vous pas. Le fondateur est super proche, comme vous voyez, il me répondait et tout à mes questions. Une personne, c'est vraiment sympathique. Bon, moi, je le connais depuis 2-3 ans, tu sais, en même temps, vous allez me dire. Mais, non, il est vraiment chill. Fait que, voilà. Je vais continuer à farmer. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont ici? Forge et enchantement. Donc, ils ont fait des trucs de forge, ils ont fait des bouquins. Ça a l'air d'être une table d'enchantement normale. Oh, on avait des armures tantôt qu'on voulait fusionner, non? Ouais, on va aller chercher nos armures puis faire un T2. On venait juste de les mettre ici dans le coffre en plus. Donc voilà, on va prendre tout ça. On va fusionner tout ça ici. Oh, il y en a. Non, c'est pas des enclumes, ça c'est des Hopper. So, on va prendre ça plus ça, faire un T2. On va prendre ça plus ça pour faire un P2. Ça plus ça pour faire un P2. Et puis on va enchanter ça, genre. P3 U3. Not bad. Ça, je continue à farmer jusqu'à temps qu'on puisse avoir un enchantement sur un livre niveau 1. Et puis, on se retrouve à tout de suite. En fait, les gars, je vous ai pas montré, mais ils ont des agricultures aussi. Donc, je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est Gratiel qui a fait la déco de la base. Parce que c'est quand même assez joli. On peut voir qu'ils ont manqué de bois ici. Mais c'est pas vraiment grave. Mais ça ici, c'est sûr que c'est Gratiel qui a fait ça. C'est vraiment joli. Je pense que c'est Gratiel qui a fait ça. Ça me surprendrait que ce soit Darkman. Malgré que ça se peut. Ça se peut qu'il soit bon en bulle. Small reload update plugin. Ok, monsieur l'administrateur. Donc, voilà. On va aller ouvrir les box. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, les mobs n'ont pas l'air à spawner. So, ouvrir. On peut faire slash box à partir d'ici. Ah, c'est parfait. On va ouvrir 10 daily box. On a gagné. Plastron en fer. Donc, le truc le plus rare, dans le fond, c'est le diamant là-dedans. Notre but, c'est d'avoir au moins un diamant en 10 box. Des enclumes. Des perles. Deux enclumes. Un diamant! On l'a eu! Un diamant. Ça, c'est un truc rare. On l'a gagné. 8 blocs d'obsidienne, c'est bon, ça va. Ensuite, le dieu nous en reste 3. Oh, bourse pure. Oh, ok, de la bouse. Je savais pas c'était quoi. De l'or, c'est bon, ça. Et pour terminer, un diamant. So, pas pire. Et là, 2 tickets de rare box. 12 diamants, 2 beacons, 26 TNT, 3 pommes de notch, 14 de cri, 46 perles, 64 blocs de minerai, 64 minerais de fer. Oh, ça nous prendrait les 64 minerais de fer. Yes! Oh non, on a eu les gold.
Les verres maintenant. Ah, on a 46 perles. 48 perles. Ça dit 46, mais on a eu 48. Ok. Ok, ok. Bah, ça, c'est super bon, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pourra avoir du karma. Yes! Ça, avec le karma, on pourra s'acheter notre enchante. Donc, ça, c'est super, les gars. Exactement. Moi, je voulais le faire, mais je pense que le or, il donne même plus. Ouais, il donne exactement plus. Chris, on a eu meilleur que le fer. Putain de sa mère, les gars. J'aime ça parler comme un français, voyez. Non, mais sérieusement, c'est vraiment bon ce qu'on a eu, en fait. Je vais tout poser ça. Je vais tout miner ça. Puis on va en avoir assez. C'est sûr qu'on va en avoir assez. 64 x 2.35, ça donne exactement dans mon livre à moi, ça donne 140 ou 150. Proche de 150 normalement. Ça aussi, quand même vachement bien en fait. J'avais pas pensé que. Je pensais pas qu'on allait l'avoir en fait, mais on a eu quand même 48 perles. So, je vais vendre les 48 perles dans l'HDV. Comme j'ai fait tantôt sur HDV. Sell 1500. On va les mettre à 1500. Nouveau item en vente. Lol. J'ai mis des nouveaux items dans l'HDV. Peut-être que quelqu'un va me l'acheter. Je sais pas si ça vaut cher ou pas les perles. Moi je les mets juste là comme ça. Moi je les ai eu gratuits dans le. Dans les box qu'on m'a offert. Donc voilà quoi. So, ouais, si vous aimeriez peut-être ça, à chaque fois, à chaque vidéo, je vous fasse peut-être tirer des items ou quelque chose, des coffres cachés. Comment vous aimeriez ça qu'on fasse interagir dans la série avec vous? Parce que moi j'aime ça interagir dans mes séries avec vous. Soit par des commentaires du jour, des trucs comme ça. Yes, j'ai acheté mon item. Donc ouais, non, mais sincèrement, qu'est-ce que vous aimeriez. Qu'est-ce que vous aimeriez, genre, comme truc spécial? Parce que j'aimerais ça vraiment vous remercier. On approche des 13 000 abonnés. Enfin, il y a eu un bug de YouTube, ils ont supprimé, genre, 400 abonnés, puis on les a repris, genre, hyper rapidement. Un truc de fou, les amis. J'ai perdu 400 abonnés, puis le boom, on est déjà à 13 000 presque. C'est juste un truc de malade en ce moment. Vous avez vraiment l'air d'adorer ma chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, voilà, quoi. Je me suis dit que pourquoi pas vous remercier en faisant un petit... Des petits trucs dans, comme ça dans mes séries, soit des coffres cachés, commentaires du jour qui gagnent une clé, qui gagnent quelque chose de spécial ou des karmas, whatever. Je pense qu'il y aura sûrement une commande un jour où on pourra envoyer des karmas à des gens. Donc quand vous en avez, vous pouvez les envoyer à votre ami ou quoi que ce soit. Ça va sûrement exister un jour. Donc voilà, on va essayer d'enchanter notre pantalon, niveau 30. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, P3, not bad, not bad. P4 existe ou pas? Je suis pas sûr qu'il existe, je pense que c'est juste max P3. Je suis pas sûr à 100% là-dessus, les amis. J'aimerais pas vous dire de la merde. Donc, voilà. Donc, ok. Là, on devrait avoir assez de karma. Donc, karma shop. Karma shop, on a 300. Donc, parfait. Il nous en manquerait combien? Ah, il nous en manquerait pas beaucoup, les amis, pour avoir un rare. Sinon, on fait deux enchantements communs. On va faire deux enchantements communs. Donc, on va commencer par ça. On va acheter. On clique droit dessus. Et links. Ouh, je pense que ça, c'est pas pire. Night vision permanent. Ok, ça, on va le mettre sur notre plastron. Donc, on peut pas. On peut. Enchantement non contabilisé ou adapté. Oh, petit problème. Peut-être sur le casque. Ah, voilà. Faut le mettre sur un casque, en fait. Ok. Bon, ben là, on aurait tout le temps night vision, si je comprends bien, à partir de maintenant. Oh, grand, damn, folks. On a eu un bon enchantement, quand même. Moi qui aime pas trop. Juste pas assez mon. Mon truc ici en haut, mon toggle sprint. Donc, oh, moi qui aime pas trop jamais voir, ça c'est bien. On a que vision infinie. Bon, aurait fallu le garder, le mettre sur un casque P2 en diamant. Mais comme j'ai dit, le diamant c'est quand même vachement difficile à obtenir, les amis. So, on va essayer de se farmer plutôt un P4, continuer à l'améliorer pour avoir un P4. So, je continue à farmer les zombies, je continue à vous retrouver peut-être un peu plus tard quand j'aurai trouvé qu'est-ce que je pourrais faire ou trop. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. On va peut-être retourner miner aussi. Ça serait utile pour pouvoir avoir plus de karma pour justement. Ça va plus vite avec, dans le fond. Oh, quoi? Ok, en pétant des trucs, ça nous donne du steak. Oh oui, j'avais oublié, les gars. Warp info. Je crois que c'est un Rush Run. Donc, tout ce qu'on fait, c'est rapport avec le Rush Run. Avec le type run. Attendez. Si je me trompe pas, il y a un place ici où on peut voir tout ce que les trucs nous donnent. Donc, ici, c'est quoi? Les commandes en lien. Ok, on s'en fout. L'armure, le kit PVP, ok. Là, ok, la boussole sert à traquer. Ok, donc c'est ça. Donc, les monstres de base, les loot en run, donc ça donne ça. Les zombies, ça donne ça, comme je viens de voir. Ça. Ok, oh, les creepers, ça donne TNT plus ça. Ok. Les withers sont retirés du serveur, ok. Et puis là, le bloc de base, loot run. Donc quand on casse des carottes, ça nous donne ça. Quand on casse ça. J'ai déjà tout présenté ça dans mon
ma vidéo sur la présentation, si vous avez envie d'aller voir, ça va pouvoir, ça vous allez pouvoir voir. Donc ici, c'est le top, j'imagine, ouais, Pastèque, etc. Donc comme j'ai dit, je connais personne. Pony Fury, il est là deux fois. Lol. Et puis, c'est quoi ici? Information Warzone, école, TH, coffre, bon, voilà quoi. Donc voilà, je vais essayer d'éliminer les gars, je vous reprends quand j'ai un peu plus de karma pour faire un nouvel enchantement, voir qu'est-ce qu'on peut avoir sur notre armure. A tout de suite, les yeux. En fait, je vais continuer le chant de canne à sucre, qu'est-ce qu'ils ont pas fini le chant de tabarnak, ça m'énerve. Je vais continuer avec les 64 dirt que j'ai, puis on va récolter un peu de canne à sucre à chaque fois pour essayer de en faire brancher qui ont mis du sable. Ben, je pense plus qu'il y avait assez de sable, soit qu'on change tout en... Ok, ils ont fait tout ça pour aller jusqu'ici. Oh, tabarnak! Ok, bon, on va tout changer ça en... Oh, pelaï. J'ai envie de casser tes affaires. Changer tout ça en terre, les gars, puis on va essayer de mettre le plus de possible de canne à sucre. Comme ça, ben, on aura aidé aux aux formations de la base, quoi. On sera pas le seul qui aura rien fait, au moins on aura aidé un peu pour les champs. So, je vais aussi récolter les verrues, etc. pour qu'on puisse essayer d'avoir le plus vite possible plus de verrues pour avoir des potions pour aller faire des petits combats peut-être dans le prochain épisode, etc. Bon, là, il n'y a pas vraiment de grand genre monde qui va jouer à cette heure-là. Je sais que monsieur Aydriz, c'est un abonné, il m'a dit qu'il voulait une dédicace, donc j'ai fait une petite dédicace tout à l'heure. Donc voilà, quand on mène la redstone, j'ai pas de commande. Non. Non, sinon j'en aurais pris moi aussi, mais que la redstone, il y en avait partout. Donc quoi, ouais, il devrait peut-être rajouter ça. Mais la redstone, vous me direz, il y en a fucking beaucoup dans la map. So, ouais, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse des épisodes un peu plus longs, par exemple. Parce que j'ai remarqué que mes épisodes dernièrement de mes vidéos, ils étaient tout le temps hyper longs. Soit genre 16, 20 minutes, 30 minutes. Surtout à chez Team, je faisais du 30 minutes. À chez Squad, 20 minutes. So, en espérant que ça vous dérange pas trop, les gars. Dites-moi si ça vous plaît ce contenu. Et si, bien sûr, ça vous fait plaisir, les amis. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Vous savez à quel point ça me fait plaisir de voir que vous êtes autant sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Aussi, d'ailleurs, petite dédicace à mon ami Lalo. C'est un gars sur Snapchat. Il m'envoie toujours plein de Snapchat positifs et tout. Il dit qu'il adore mes vidéos, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, les amis, m'envoyez des Snapchats de vous. Si vous êtes une femelle, vous pouvez m'envoyer vos photos de vos parties génitales. Bien sûr, ceci est une... Blague, j'ai eu un briquet. Oh, ok. Ça, c'est une blague, les amis d'internet. Mais en gros, ouais, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, icons87. Donc, icons87 comme ça. Sur Snapchat. Add me on Snapchat. Snapchat. Icons87. Donc, voilà. Ok, je pense qu'on va farmer un peu de niveau. S'enchanter une pioche, puis on va aller miner, en gros, les amis. So, à tout de suite. N'hésitez de venir voir comment ça se passait en haut, parce que Christ, que ça spawnait pas vite. Oh, tabarnak. Non, je suis tombé. Ça spawnait vraiment pas vite, je me demandais, puis en fait j'ai compris que si le point de spawn était correct, je comprends juste pas, je pense que en fait la base est trop basse, so, ça sert un peu à rien le point de spawn. Enfin, le spawner il est trop haut, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait. Ah oh, shit, j'ai pas. Y a-t-il des cooldowns? Ouais, il y a un cooldown de 4 quelques secondes. Donc en fait, ouais, vous voyez comme là il spawn beaucoup, mais quand on est en bas il spawn pas, parce que regardez le spawner comment il est haut, puis regardez la base comment elle est basse, so, ça a peut-être rapport avec ça. Sinon, faudra peut-être faire un système d'anti-FK. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, mais bon, voilà quoi. Donc là, on va avoir 30 niveaux, parfait. On va perdre là. On va aller enchanter notre pioche. Aussi, les deux lignes de cœur, ça fait plaisir, ça. Donc, not bad at all, folks. Not bad at all. So, je vais aller miner les gars, puis on se reprend un peu plus tard. A tout de suite. Ok, ouais, je me demandais pourquoi j'ai demandé à mon ami Skinoz. Il m'a dit qu'en fait, la siltouche ne marchait pas sur la stone et sur les minerais. Donc, bon, ça sert un peu à rien, mais au moins on a une pioche, les amis, qui va beaucoup plus vite que notre petite pioche en diamant qu'on avait juste avant. Donc, sur la redstone, c'est pas pire parce que quand il va l'activer, on va être les premiers, ou du moins dans les premiers. So, là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, voilà. Normalement, à partir d'ici, on devrait être à couche 11, donc je vais miner tout autour ici. Et puis, en espérant qu'on trouve des minerais. Allez, à tout de suite. Je viens de réfléchir à ça, les gars. Si on prend toute la redstone, ok, avec la seal touch, et quand il va l'activer, là, on pourra les mettre dans le shop pour fucking cher, parce que les gens vont vouloir l'avoir, parce que ça va donner des karmas. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pourra devenir riche avec ça. Je vais vraiment prendre toute la redstone que je trouve, parce que c'est vraiment une bonne idée que je pense que je viens d'avoir. Donc, ça va être super, super intéressant. Donc, ouais, je vous ai juste repris pour un petit 5 secondes pour vous dire mon idée de génie. Bon, je sais que je suis con, à tout de suite. Oh, je disais à tout de suite, et regardez ce que je trouve. Du diamant, what? Eh oui, du beau diamond. Donc la stone a l'air de marcher en fait. Ouais, la stone elle marche. Pourquoi il m'a dit ça tantôt? Est-ce qu'il est cave des fois cet enfant là? Hein? Bon, ben c'est pas grave. Je pensais qu'il disait la vérité là. Mais bon. Il m'a menti. J'ai
J'accepte pas ça, j'accepte pas ça. Bon, ouais, vu que je suis un diamondless, le diamond il existe pas en fait, vous pouvez pas en trouver. Quand vous en trouvez, c'est du fer que ça vous donne. So, quand même assez intéressant. J'ai jamais vraiment vu un serveur. Je pense qu'il y avait une faction run de mon ami Zeflo. J'ai jamais eu beaucoup de gens, vous allez me dire. Mais mon ami Zeflo, je pense qu'il avait fait une faction run, je pense. Je suis pas sûr s'il était diamondless, son deuxième serveur. Ben, la deuxième version du serveur, je me souviens plus. Oh mon dieu, j'ai pas une bonne mémoire. Il va m'en vouloir si il écoute cette vidéo-là. Mais en tout cas, bon, je vous reprends là. Je dis de la merde à tout de suite. Wait, what? Les lapis, ça nous donne directement des blocs, puis ça nous donne 1.18 de trucs. So, quand même pas si mal comme le mini de lapis, en fait, les gars. C'est plutôt bien, même, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt bien, parce que ça vous donne des blocs de lapis. So, extra super, wesh. Je prends tout le charbon, bien entendu. Je suis déjà à 200, so je vais essayer d'avoir 400. Pour qu'on puisse faire deux enchantements ou un enchantement rare. Je pense qu'on va y aller peut-être pour un enchantement rare, puisqu'on n'a pas fait encore. Et puis voilà, so, je vous ai encore repris pour rien, mais c'est pas grave, allez à tout de suite les gars. Puis quand on se connecte en fait, baisse d'un prix, du prix de grade qui est ajouté sur la boutique par farm optimisée. Ok, ça so, c'est cool, ils disent les ajouts qu'ils ont fait. Donc juste un petit truc que je voulais vous dire vite fait comme ça. Hey, j'ai pas trouvé un asti de grotte les gars, tabarnak là, je comprends pas tabarnouche là. Pourtant j'ai fait un, je suis parti, j'ai fait F show juste un truc avant de voir. Karma Shop, restart dans 2 minutes. Ok, il va faire un... What? Ok, le Karma Shop a lagué. Ok, voilà. Donc, ouais, je suis à 270. Je pense qu'on va directement l'acheter parce qu'ils vont rajouter la redstone si on pourra en racheter un autre tantôt. Et puis, je trouve pas de grotte, les gars. Je vous dis, c'est genre hallucinant. Je trouve aucune grotte. Je me promène un peu partout. Je trouve vraiment rien. C'est un peu bizarre, enfin. Vous allez me dire, peut-être que je suis pas chanceux, là. Mais je veux dire, ça se peut. Peut-être qu'ils auraient dû les grottes aussi, tu sais. Ça aurait pu... c'est pas les grottes de Fallen Kingdom, comme sur les HF. Donc, ça fait peut-être une différence. Je suis d'accord avec vous. Donc, je vais peut-être me donner un autre petit 5 minutes. Le temps que mon rendu se termine. Puis, après ça, quand mon rendu sera terminé, là, je vous ferai... l'outro de la vidéo, puis j'essaierai d'avoir des enchantements sur mes trucs. Donc il reste le savoir dans 2 minutes pour ajouter les karmas sur la redstone, donc on n'a plus beaucoup de temps. On va l'utiliser, on va la miner tout avant qu'elle soit plus possible d'être minée, puis on va la poser dans notre base, puis on va la miner ensuite. Donc comme ça on est sûr d'avoir pas mal de karma à cause de ça. Donc super idée que j'ai eu de miner avec la Siltouch les minerais. Donc c'est ça que je vous dis, l'entour les joueurs ils ont demandé. Donc regarde, j'ai dit je voulais pas rajouter la redstone pour le marqueur, bah, je voulais dire karma, là, il avait compris. Là. Puis j'ai. Karma. Voilà. Je voulais dire ça, mais j'ai marqué karma. Marqueur, je sais pas pourquoi. Les gars, j'ai une grotte. Ah non. It's a gank, fuck! It's a motherfucking gank. Jesus Christ. Comme je vous dis, les amis, on a pas de chance. On n'a pas de chance. Rest in peace, pepperonis. Peut-être du diamant. Nope, non plus. Donc on va prendre ce qui reste ici, les amis. Et on va essayer de trouver une autre grotte. À tout de suite. Oh my god, mon abonné fidèle ici nous dit qu'il va aller regarder ma vidéo sans adblock, les amis. Sans adblock, c'est un truc de fou. Vous devriez suivre l'exemple sur cette personne, les amis, pour que je puisse gagner plus d'argent. Oui. Donc j'ai trouvé une grotte, Carlis. Depuis le temps. J'ai dit, peut-être que je trouve bas, je monte en haut, regardez ce que je trouve. Deux petits filons d'or, d'or. Parfait pour nous, ça, les boys. So, c'est un autre gank. Oh, tabarnak, mauvaise. Oh, j'ai dit, tant que le suicide, les amis, là, c'est plus... c'est de plus en plus dans ma tête, là, tout c'est... Oh, au moins, on a trouvé du lapis ici. Oh, d'autres lapis ici. On va tourner autour, peut-être qu'il y a d'autres affaires ici. Hey, quand tu me donnes le nom de ta chaîne, que j'ai aimé ça. Il est même pas abonné, tabarnak. Il est même pas abonné, calice de tabarnak. Là, les amis. Non, les amis. Ça, par exemple, ça passe pas, là. Comment ça, t'es pas abonné? Je suis très, très énervé. Non, les amis. Ça se passera pas comme ça. Moi, je suis gentil avec lui. Et lui, il est pas abonné à ma chaîne YouTube. Il est pas abonné à ma chaîne YouTube. Oh mon dieu. Moi, là, je suis triste. C'est pas gentil, ça.
Alright folks, je pense que c'est assez là, j'étais curé de miner de la merde. So, qu'est-ce qu'on a récolté? On a récolté, on avait, en avait environ, on va dire qu'on en avait déjà 24, ou ouais, disons qu'on en avait 25. On en a récolté un stack et 28, donc pas si mal. On reste à récolter deux stacks de ça, un stack et 39 de redstone, un peu beaucoup de stone. De la bouffe un peu, on s'en fout. Bloc de la piste et du gold, et voilà. Ah, il est un peu fatigué quand même. Donc voilà, on va acheter ça, on n'a pas vraiment besoin. Je pense que ça va être tout. Je vais prendre ça aussi. On est rendu à 400 de karma. Avec tous les trucs d'or et tout qu'on a trouvé. Donc ça, ça fait plaisir. Enfin, dans le sens que ça fait plaisir. Alors, c'est dans le sens qu'on pourrait avoir deux enchantements. Donc c'est sûr que c'est plus avantageux pour nous. So, je vais juste vite fait terminer le coin ici. Mais je pense pas qu'on va trouver grand chose, les amis. Prochain minerai que je trouve, j'arrête puis je fais fondre. Est-ce que ça, c'est quoi le tableau? Ah oui, aussi, il y aura un restart dans quelques instants. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Je pense qu'ils vont rajouter aussi sur le quartz, la redstone et le quartz. Donc, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc là, il faudra juste trouver un minerai, en fait. J'aimerais ça faire fondre. Puis, je suis un homme de parole, donc voilà! Ok, pas de minerai pour nous. Ok, ok. On va descendre un peu plus bas d'abord. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il y avait des minerais quelque part. Fallait juste les trouver. Donc, on va faire un petit. Un petit fond après avoir pris tout le charbon parce que ça donne du free karma, malfaga. Puis on va prendre deux enchantements. On va aussi enchanter. On va essayer de faire des bottes en diamant. P4, les enchanter. P3. Donc. On va faire ça vite fait pour essayer d'avoir le plus possible de chance, en espérant qu'on ait de la chance cette fois. Et puis voilà, donc je prends tout ça, comme je l'ai dit. Et puis en espérant qu'on ait du P3, Feather Falling 4, parce que Feather Falling 4 c'est super important. Puis il veut nous rester 20 niveaux après. Oh, ok, c'est vrai, c'est home, parce que j'ai pas 7 là-bas. Donc ça, on va le garder pour le mini quand le karma va être mis sur la redstone. Et puis le reste, on va s'en foutre un peu en fait. On va juste faire tac tac tac. Et tac 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 tac. Oh, ça on peut pas le faire. Tac tac, voilà. Tac 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 tac. Puis là, on va aller crafter des boats. Des boats. So, plutôt difficile. Alors, on espère qu'on ait du P3 Feather Falling 4, please, please, please. Yes, sir, boys, yes, sir. Yes, sir, folks. Yes, sir. So, là, on a juste un casse de marde. Mais bon, faudra. Attends, on a un peu d'argent. Attendez. On peut peut-être voir dans HDV. Peut-être des gens qui vendent du diamant. Y'a personne qui vend du diamant. Je vois quelqu'un ici qui vend une potion de strange. Non. C'est pas intéressant. Peut-être qu'il y a du diamant au shop. Shop, peut-être. Ouais. On va aller voir peut-être au shop. Il y a du diamant. Si on est capable de se faire un casse. Là, ça va être juste plat parce qu'on aura perdu notre enchantement Lynx. Lynx. Ouais, mais bon. Vaut mieux ça que jamais. Donc le diamant, comment qu'on pourrait l'obtenir, c'est vrai. Ah oui, ben c'est avec le karma en fait. Ah, j'avais oublié, fuck. Est-ce qu'on dépense pour du diamant ou... On va prendre deux enchantements. Une, deux. Et il nous reste combien? On va retour. Il nous reste 105. So, avec 105 on peut rien acheter, on va le garder pour un autre truc plus tard. Donc on va ouvrir une fois, on a eu faim. Et puis, Thor. Donc, le fin, ça se met sur les armures. Épée. Fin. Ouh, ça se met sur les épées. Les deux, ça se met sur les épées. Effet de fin. What? Genre, ça le donne à l'ennemi, genre? Ok, c'est bizarre. On n'a pas eu vraiment des bons trucs. Je vais essayer de voir si on peut peut-être les vendre dans la HDV. Ouais, est-ce qu'on pourrait les vendre dans l'HDV? Ouais, je pense qu'on va les vendre dans l'HDV. On va les vendre pour 1500. Puis celui-là, on va le vendre pour genre Thor. Thor, par exemple, je pense que ça, c'est bon. Thor, je pense que c'est bon. Fait qu'on va le vendre peut-être pour genre 5000. Ouais, on va le vendre pour 5000. De toute façon, on n'a rien à perdre. De toute façon, l'argent nous va nous servir juste à
pas grand chose. Donc là, je vais attendre qu'ils fassent l'update. Et les amis, jusqu'à là, je vous dis à la prochaine. Pour l'instant, on a encore notre full. On essaie de mettre un full stuff dans cet épisode-là. Avec du U3 sur les bottes et du Fairphone 4. Il nous manque juste le casque, les gars. On va essayer de travailler ça dans le prochain épisode. Donc c'est un Diamondless, les amis. Donc oubliez pas, ça se peut que ça soit long avant qu'on réussisse à avoir les 5 diamants. Mais je pense qu'aller miner puis trouver d'autres solutions pour avoir des karmas. Je vais vous donner la solution la plus simple pour en faire dans le prochain épisode. Donc jusqu'à là, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En fait, demain à la même heure, je vous aime, c'était un compte. Salut, bonne fin de journée, venez me rejoindre sur Netscraft. Ciao.